Malheur ou épreuve de la vie, un simple mot, mais qui suscite d'indescriptibles méditations et d'innombrables questionnements. Bédan, qui que tu sois dans la vie, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois jeune, vieux ou enfant, seul Dieu peut définir pour toi la vie que tu mèneras sur la terre des humains. Ton chemin est tracé et à ta naissance tu l'empruntes. Tout est écrit. Quand vient l'heure pour toi d'être heureux, tes efforts quotidiens te mèneront sans titubeur vers ton bonheur et te voici à ton aise, riche et bienheureux homme à l'abri du besoin. Dois-tu désormais mépriser ton prochain? Dois-tu brimer celui qui, aujourd'hui, est comme tu étais hier? Vas-tu commettre des abominations? Et si un malheur survient dans ton bonheur, que pourra être ton futur, te le demandes-tu? Bédant. Et si la richesse ne t'est pas destinée? Si l'aisance n'est pas à toi, que feras-tu de ton existence? Voudras-tu tout abandonner et t'ôter la vie? Mais avant, comment sauras-tu que tu es né pour souffrir à vie? La vie est insondable. Quels que soient les efforts fournis quotidiennement, quelle que soit la misère dans laquelle on se trouve, quel que soit le bonheur qu'on vit, nul ne peut savoir avec précision quel visage prendra le jour suivant. Bédant. Ce film que vous allez suivre est une fiction inspirée de faits réels. Une fiction béninoise, pensée et produite au Bénin par la compagnie de théâtre de cinéma du Bénin, Semako Wobaro. Bédan, préparez-vous à rentrer dans un univers trouble et d'interrogations. À vos yeux, à vos oreilles, à votre tête, à votre concentration. Prêt, partons. Comme toi, que des choses auraient changé. Merci. Non, merci, c'est bon, merci. C'est bon. C'est très bien. Vous êtes gentil. Oh là là. Moi, je me suis déjà donné au monde. Non, donne-toi la vie. Je peux me faire tout ce qu'il veut. Oui, oui, oh. Oui. Confie-toi seulement à lui. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai des villas, j'ai des amis dans mon pagaille. C'est vrai? Oui, justement. Ah. Je m'en vais prendre ma moto et ma voiture au lavage comme ça. Tiens ça. Oui. Maintenant, c'est avec la patience que j'ai réalisé tout ça. Mais tu sais que la patience a toujours sa limite. Justement, la patience a ses limites. Mais il faut toujours se patienter.
les font 10 enfants dans son pointeur, mon ami. Ah, tu non, je connais pas ça. Oh, tonton, vous êtes gentil, quoi. Hein? Donc, comment t'appelles déjà? C'est moi, éléphant. Éléphant. Éléphant, oui. Oh là là. C'est mon nom, ça. C'est bien, c'est bien. Tu sais, on aura le temps de se reconnaître. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais t'inviter. Mais je vous remercie beaucoup pour les conseils que vous m'avez donnés ce matin. Applique ça, mon ami. Je vais appliquer. Tu verras la vie sur son vrai chemin, sur son vrai visage. Je te dis, j'avais souffri à Cotonou ici, là. C'est la patience que tu as. C'est la patience. Dieu sait faire ces choses. Hein? Ne te décourage pas. Non, de toute la façon, je mange quand même. Oui, tu manges à ta faim et tu bois à ta soif. C'est déjà l'essentiel. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est pas grave. Ça ira. Hein? Merci, tonton. Merci. Oui. Tiens. Hein? Garde ça. On a le temps de se connaître. Oui. Bon, tout à l'heure. Hein? S'il vous plaît, tonton. Tonton. Venez. Éléphant, tu as oublié quelque chose. Mais ça c'est 100 francs, ça. C'est 100 francs. On prend 100 francs pour quitter l'étoile là ici. Non, c'est pas l'étoile. Ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes en quelle date? Je dormais, excusez-moi. Eh oh, je dis, nous sommes en quelle date? Il est sorti pour chercher de l'argent. Qu'est-ce que je vous ai dit la fois passée? Que chaque 2 du mois, chaque 2 de chaque mois, de payer mon argent, c'est ce que je vous ai dit, non? Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Non, aujourd'hui, c'est vrai ça. Il faut nous excuser. Il va arriver ce soir, je vais lui en parler. Jamais aujourd'hui, pas de pardon. Je ne veux plus vous excuser. Non, trop, c'est trop. Bonne arrivée, papa. Il passera vous voir là. Je dis bonne arrivée. Bonne arrivée, hein. Bonsoir. Mon agent est avec toi. C'est chez mon mari ici. Hein? Madame. C'est la femme de l'éléphant, ça? Oui, c'est ça. Oui, je suis sa femme. Tu n'es pas vrai. Comment un semi-diamant peut épouser une belle femme comme ça? Mais elle est toujours sa femme. Comment elle est toujours sa femme? J'ai toujours été sa femme. Oui, c'est moi sa femme. Et vous n'arrivez pas à payer 2200 francs chaque mois. Vous n'arrivez pas à payer. Et regarde comment toi, tu t'es entretenu. Il va payer, c'est la situation. Mais ce n'est pas vrai. Quelle situation? Mais il fallait demander le prix avant de... L'imbécile me dit qu'il fallait demander le prix avant de... Lorsque tu n'as pas demandé le prix avant de... Non, c'est pas ça. Arrêtez. Mais toi, tu te trompes. Hein? Tu te trompes, hein, madame. Vous vous trompez. Moi, je vous dis encore que vous vous trompez. Moi, je suis capable. Je suis capable quand même. Mais tu te trompes. Te trompes trop avant demain matin. Lève-toi. C'est la situation, hein. Sinon, tu ne peux pas dire ça. Tu veux où là? On est là. Voilà, on va arriver. Pourquoi vous pleurez? Oh. Mais je suis vivant. Le propriétaire est arrivé ici tout à l'heure. Ce qu'il a dit là, tu ne peux pas entendre ça avec tes oreilles. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit?
Comme toi, tu es ici en train de me taquiner. Il a dit qu'il va arracher ta femme. Mais ta femme est très très belle. Mais c'est pas toi. Il a tout avancé, viens-moi. On n'a plus rien dedans. Maou, on n'a plus rien dedans. Ah ouais, oh, éléphant. Ah oh, mon enfant. Éléphant. Maman, tu sais. S'il plaît, ton Seigneur. Attends, maman. Hein? Je veux qu'aujourd'hui. Je veux que tu me dises ce qui se passe. Hein? Je veux que tu me dises ce qui se passe. Depuis que je suis né, je n'ai jamais compté 100 000 francs. 100 000 francs pour Ben Chepon, je n'ai jamais compté ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Éléphant. Si c'est moi qui t'ai mis vraiment au monde, hein? Ça va changer. Ne pleure pas, mon fils. Ça va changer. Dieu, même si c'est ta volonté, il faut améliorer ça un peu. C'est trop dur. C'est trop dur pour moi. Chérie, ça va aller. Ça va aller. Hein? Qui est tombé sur mon animation? Ça va? Et les enfants? J'espère que tout va bien à la maison. C'est ça. Tu voulais me voir. On ne peut plus rester au village. Pourquoi, dis-moi? On ne peut plus vivre là-bas. Mon enfant souffre, hein, mon frère. Éléphant souffre. Éléphant? Mais il est où? Il est où? Il est où? Éléphant, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais cette mine là? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, venez. Venez où? Il faut parler, qu'est-ce que tu as? Toi, tu peux prendre ça. Toi, tu es payé pour ça? Non, j'ai demandé si tu peux lancer. Toi, tu es payé pour ça? Tu veux travailler ou bien tu veux pas travailler? On se demande maintenant, nous le faisons ça. Tu veux travailler ou bien tu veux pas? Qu'est-ce que tu as? Ça veut dire quoi ça? Mais non, tiens, on se met dans le monde. Qu'est-ce que tu as? Oh, papa. Qu'est-ce que tu as? C'est que. Mais encore quoi, Pélina quoi? Quoi? Maman était? Mais encore quoi, Pélina quoi? C'est que quoi, oui, quoi, les mignons souillons? C'est petit. Et il faut ajouter un peu. Tu es malade, ça, papa, chez toi? Comment? Sur la trentaine là, c'est toi seul qui te demande. Papa. Prends ta vie. Papa, non, bien. Mais il y a un coup à dire. On va bien pour une autre souhait. Mais toi, tu as un peu de temps. Tu es quoi? 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 Tu es quoi?
Nous, on va jeunesse, mais voici. Toi, c'est grand là. Papa, Tu veux faire un test? Parce que tu es un coup, si tu es un coup, tu es un coup. Ah, tu es un coup. Bon, tu es un coup. Quand tu es un coup, tu es un coup. Tu es un coup. Tu es un coup. Bon, tout le monde, Sébastien, tu es un coup. 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 Tu es Ma pia, Tetil ma kemek, yon a son kailon we. Chobo mou, a ya fon mou, anou a fi yo, na son kailon we a diwe deme. A ta kodan yon diwa, ban alele, ekon jè kome ha, ekpe, yo wakoun, la an sa fom lo ekpe tokwe ha, yo wakoun mou ne yane, ekepon e la kwa duko, a ta kodan yon, a jan we a sa te mwen, a an ete vi ton nopo, a he, baba, nou si nopo, Ah, hey, oh, chelou, moi, d'abord, beaucoup. À l'amour, là où est mon amour, mettre pour oui. Coco, maintenant, beaucoup, comme aller le courant de mes. Coco, dit-il, ma fille, à la tête, le blanc, fille. Pas le remède, mais la pomme, mais la pomme, tu as ma pomme, et c'est la pomme, c'est pas ma vie pour. Oui, 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 oui. Éléphant, ah. Quand on parle du lot, voici que. Oui, comment ça va? Ça va. Mais, et tu es. Tout froissé comme ça, là? Oui, je viens du chantier. Ah, tu viens du chantier? Oui. Ah, bon. Donc, comment ça va? Oui, ça va. Et la maison? Oui, ça va. Et mes frères et sœurs? Vraiment, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Oh, c'est le temps qui me manque. Tantôt, Zemidjan, tantôt, c'est passé par là. C'est ça. Ce qui me dit que tu n'avais pas fini la mécanique, comme l'a dit ta maman. Il n'a pas vous un savez, métier fixe. Ça ne marche pas du tout. Éléphant. Et des fois, oncle, oui? je pose la question à ma mère. Hein? Mais comment je suis né? Tu es né comme tout autre enfant. Comme tout autre enfant. Là où je suis, je ne peux... C'est que moi, je n'ai jamais mangé 800 francs. Une sorte 200 francs. Le jouet te naissait, c'est moi qui l'ai amené à l'hôpital. Tu es né comme tout autre enfant. Maintenant, sans problème. Il est né sans problème. Tu sais que je n'ai pas vu mon père. Tu n'as jamais vu mon père. Oui. Ton papa est mort dans les problèmes de famille. Des problèmes de terrain, de famille, patati patati. C'est ça qui a tué ton père. Maintenant, ne laissons ce côté-là. C'est peut-être ça qui suit mon enfant non, maintenant. Non, grand sœur. C'est peut-être ça. Non, grand sœur, ça va aller. Maintenant, éléphant, je te fais cette proposition. Sinon, une suggestion. Et moi, j'ai fait mon chemin. Là où je suis, je ne me plains pas trop. Je te fais cette proposition. Tu sais, moi, j'ai eu à faire les bancs avec un monsieur qui n'a pas fait long banc. Parce qu'à un moment donné, il n'arrivait plus et il a coupé les bancs et il a commencé la mécanique comme tu l'avais fait à Bomé. Mais aujourd'hui, il est un grand patron, un garagiste. Si tu vois là où il travaille, mais tu ne sauras même pas que c'est les apprentis et le patron. Il paie ses apprentis. Quand tu travailles, quand tu es respectueux là, par jour là, tu as ton prime. Oui. Et il est devant ma maison, tout juste face à ma maison là. La maison inachevée qui est face à ma maison. C'est là. Maintenant, moi je prends l'engagement avec tous ceux qui vont faire comme cérémonie de Ogun, quelque chose là. Demain tu viens, j'achète tout ce qu'on va faire. Et tu commences là. Si tu es respectueux, même la semaine, tu peux rentrer avec 10 000 facilement. C'est pas vrai, oncle. Je te le confirme. C'est mon ami, on a fait les bancs ensemble. Et dès que tu vas quitter ici tout de suite là,
Mais lui en parler. Il ne peut pas me dire non. Ça veut dire qu'en faisant ma perfection, là, je gagne de l'argent. Tu gagnes de l'argent. Et au bout de 2 ans ou plus, là, tu as ton gagne, tu as ton diplôme. Et avec ça même, je peux t'aider. Aujourd'hui, avec ce qui prévaut, tu vois, nous avons la chambre des artisans, la chambre des métiers, oui, oui, tout ça là aujourd'hui. Et tant que tu as été un peu à l'école, tu vas passer le CQP. Et tu seras engagé dans, même au garage central. Donc c'est ça ma suggestion. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Là où je travaille sur les chantiers, on vient de me renvoyer comme ça. Hein? On vient de me renvoyer. Encore. C'est pas grave, on prend le rendez-vous. Demain matin au plus à 7h, tu me rejoins à la maison. Je serai là. Mon fils, l'heure a sonné. Grand sœur. S'il plaît, au Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais je ne veux pas partir comme ça, grand sœur. Oncle, mais tu n'as pas besoin. Ah, tiens, ah, tu fais quelque chose et là ça va. Merci beaucoup. Ça va motiver quoi. Ok. Oui. Merci beaucoup. Donc, mon frère. Bon, je te donne ça. Là, tu prends Zem demain matin et tu me rejoins. Ah, oncle. En plus à 7h. Merci beaucoup. En plus à 7h. Merci beaucoup. Ne me déchire pas surtout mon fils. Jamais, jamais. D'accord. Je serai là à 5h du matin même. Aussi vite tu la hello, on enlève on a ga. Il n'y a pas de problème. Tout est déjà dit, hein? Tu respectes toutes les lois et le tout est joué. Tu seras notre ami. Mais garde à toi, on l'a déjà dit, il n'y a pas de petit patron. Quand on te voit et on me voit, on sent qu'il y a une large différence. Mais ce n'est pas une raison pour que tu ne respectes pas tes patrons ici. Je me suis fait clair, hein? Sinon c'est au dehors. D'abord, je te bastonne comme cela se doit. Ah oui? Je te bastonne. Je l'ai déjà dit. Tu fais moins d'erreurs, je te bastonne et tu es viré définitivement. C'est que mon grand frère, il a fait de grandes études. Oui. Et il a trouvé bourse. Oui. Il doit aller en Europe. Ah, je comprends. Tu veux que je la fasse sauter. Qu'il allait à l'Europe sans prendre l'avion. Voilà. Mais tu parlais me dire ça. Ça, c'est notre boulot ici. Les gens lui ont arraché la bourse, quoi. Maintenant, lui-même, là, oui. On a couru pour trouver de l'argent. Vous savez, billets d'avion, là. C'est très cher. Ça fait Paris. Paris, ça fait 900 000. Voilà, donc c'est trop. Les gens ne savent pas. Au lieu de passer, de vivre mes voies, là. Même Londres. Même Inde. Vous faites ça. Il suffit de tailler l'argent. Le cas de l'argent de bien là. Vous êtes sûr que c'est le cas? Il veut aller et retour, bien. Aller seul. Aller et retour, c'est difficile. Mais aller là, c'est bon. Vous voyez dedans. C'est un cross ou bien il est gros ou bien il est mince. Il est élancé. Au moins combien de kilos comme ça? Non, il doit avoir au moins 120 kilos. Ah,
120 kilos. Ah bon? Ouais. Non, ça fait 400, ça fait 400, double. Pardonnez, grand petit jeune, je n'en ai pas. Ah ben, t'es là. Je n'en ai pas. Je sais que s'il va là-bas, il ne va pas m'oublier. Donc, il ne va pas vous oublier. 200 000. 200 000. Oui, amène 200 000. Qui va aller? Qui va aller là-bas? Il s'appelle comment? Ton frère, là, oui. Mon frère? Oui. Il s'appelle ton ancien. Dodo. Ton ancien. Attends. Serré, côté fier, il faut bien serrer ça. Tu es monté ou bien? Serre ça, je te dis! Oh! Tu me dis s'il faut démonter ou pas. Léon, élon serré, nous voler. Hein? Viens te mettre ici. Oh! Hey, je ne veux pas parler ce matin. Je te dis de te mettre là. Et serre-moi ça. Oh! Tu as déjà fini? Oui. Eh, montre-moi ça. Montre-moi ça, je te dis. Allez, il faut monter. Allez, vas-y. C'est comme ça. Oui, non, non, non. Tu as déjà serré ça. Ah, donc il faut mettre ça seulement. Et quand tu fais comme ça, et puis c'est fini. Lorsque... Tu ne peux plus visser. Visse. Non, non, lorsque j'étais dans l'autre garage, on ne visse pas, on laisse ça comme ça. Ah, ah. Toi aussi grand comme ça, comment ça veut dire quoi? Ça, regarde le grand là. Il sait mon bravo. Ah, et mais pourquoi tu cries sur moi? C'est quoi? Mais c'est ton patron, hein? La fois passée, vous m'avez demandé de serrer. J'ai serré jusqu'à casser. Mais bon, il est sur le lait, il me dit. Mais il faut serrer. Mais tu as dit que tu as déjà pris ça quelque part. Non? Mais essaye de réparer ça. Mais ça veut dire quoi? Ah. Moi, je vais serrer. Mais lorsque ça va casser, là, ne crie pas sur moi encore. Hein. Ah. Histoire de serrer là. Tu comprends? Je ne sais pas. Ça y est, c'est fait. Vous voulez. Depuis. Ah. Hein? Il clé, vous serrer. Est-ce qu'il a pu serrer ça maintenant? Il n'a pas bien serré ça. Bon, Lolo, toi, il faut prendre ça. Et puis, si tu me serres ça. Ça fait tant pis pour toi, hein. Toi, si grand comme ça, tu n'as même pas honte. Et on appelle ça en français quoi? Noix de palme. Noix de palme. Il va casser ça, vite. Mmh. Et manger ça. Jusqu'à bébé nakba. Tout en haut. Tout en haut. Et en fait, va y être là, pas. Et il tient ses vrais os. Sous ses bras. Oui. Même ses chaussures, tout ça. Il quand il va mettre la dernière. À mon placo, Asia. D'accord. Nous sommes dans le temps. Qui est venu avec une grande puissance. Suite à Leila, il y a
quelque chose derrière toi. Et c'est des esprits mauvais. Comme les esprits mauvais ne peuvent pas intégrer dans ma chambre là, ils sont à l'écart. Mais c'est un signe, c'est un doué. Assez. Ça. Maman, c'est quelque chose de très dur. Moi, c'est si venu ici acheter, fait gâter. C'est mené ça en Israël, là, moi, c'est voir, fait gâter là. Ils ont pesé ça, là, ils ont pesé ça, donné zéro. Ils ont dit ça, c'est bêtise. C'est quoi? Moi, c'est pesé ici, c'est. Ah. Ils ont dit ça, c'est fétiche. Oh, vous tenez où? Comment est-ce que tu as dit? Moi, c'est mon argent. Ça fait déjà un mois? Moi, c'est mon argent. Moi, c'est qui t'a vendu ça? Qui t'a vendu ça? Moi, c'est acheté ça ici. Qui? C'est qui? Si tu vois la personne, tu peux la rejoindre. C'est une personne. Quoi? Une personne. C'est ça, lui. C'est ça, toi, tu as acheté? Tu as acheté. Comme ça, toi aussi, tu as acheté. Moi, c'est mon argent. C'est ça. Ma fille, vie. Il y a un mélange de l'armée. Wallahi. Wallahi, oula. Mais ma fille. Où est-on? Un sandwich, ça vaut donc. C'est pas vrai. Toi, regarde-moi ici. C'est qui parmi ceux-là? Est-ce que tu peux les reconnaître? Qui t'a vendu ça? Cinq personnes m'ont vendu ça ici. C'est. Ils m'ont vendu ça ici. C'est. Moi, ils ont pesé ça. Faut regarder les gens. Il faut les regarder là. Il faut les regarder tous. C'est qui parmi eux? Cinq personnes. Moi, je ne connais pas. Cinq personnes. C'est ici, j'ai accepté. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, tu veux ton argent? Moi, c'est où l'argent? Tu veux ton argent? C'est combien? 2000. C'est mieux, hein? Vous m'allez comme vous tout à son coup. Ils ont pesé ça, fatigué. Maman, mais les bains, les faudrait te dire. Vous-même, vous voyez les choses comme ça, il ne faut pas ça, là, c'est fétiche. Moi, je ne connais pas fétiche. C'est grand fétiche. Moi, je ne connais pas fétiche. C'est grand fétiche. Tu as dit que tu as mené pour peser maintenant, ça donne toujours zéro. Ça donne zéro. Ça ne peut pas donner quelque chose. Moi, je suis venu, j'ai dit, je vais acheter. Fait gâter, batterie gâtée, je vais acheter. Ils ont dit, il y a fait gâter. Moi, j'ai donné l'argent, c'est un peu si. Mais, le problème est très simple. José, c'est très simple. Il te faut 2000, c'est ça? Oui. Tiens les 2000. Garage, tu as réorganisé. C'est fini? C'est fini, non? Prends tout si bien pour moi. Voilà. Mais ça goûte au mime. Mais en dessous, il y a aussi à l'attaque. Mais ouais, ça goûte au mime. Ça, c'est pas monsieur, il faut enlever ça là, moi je vais partir. Il faut enlever ça. Moi je vais partir. Ils ont dit ça, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais je vous ai fait quoi? Voilà, ici là, vous êtes mauvais. C'est pas bon. Regarde tout ça. Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Dites-le moi. Quoi, mais non, ça me ça, goûter, mais qu'est-ce que je ne vous comprends pas? Oh, mais non, c'est ça. Mais ça se voit au mieux. Ça, c'est pas sérieux. Regarde tout ça. Qui a vendu ça? C'est ce que j'ai demandé, hein? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Maintenant, je suis prêt à vous renvoyer tous. Mais c'est pas bon de m'attendre. Pas moi, toi, Wanmi. Je vais régler ça tout de suite. Ça veut dire quoi, ça? Et ça, bon, ça atelier. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Mais tout, il n'y a rien, il y a dit, bon, l'atelier, là. Vous me prenez comme qui.
Ça veut dire quoi? À tout le monde. Mais brise, c'est 4 coups, c'est 4 coups. Tout le monde, c'est 4 coups. Et garde à vous si vous ratez. 100 coups. Garde à vous si vous ratez. 100 coups, ouais. 100 coups, ouais. Garde à vous si vous ratez. Je vous le dis. Garde à vous. C'est tout ça, c'est quoi? Nous, 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 Patron Modona, ma ouïe, pas mon bonheur. J'ai constaté ça, c'est 4 coups, ça, c'est 4 coups. Allez, allez, faut leur donner ça. Ya, 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 C'est vrai. Vous êtes pour ça quoi? Et ça, c'est lion, ça, c'est lion. Ouais, ça veut dire quoi? Je suis à votre merci ici, pourquoi? Et tiens, ouais, ben voilà. Ça, c'est quoi ça? Tu mets les dos, à son, et tout le monde. Tout à l'heure, ton nom. Oui, faut le laisser. Et à son, il y a ton nom. Mais là, ça, Baudou. Et ça, c'est. Attention, hein. Je sais pas pourquoi. Donne ça vite. Non, mais, n'y arrive pas. Voilà, c'est vrai. S'il a dit ça, c'est il a dit la vérité. Effectivement, parce que ce type-là, il est vraiment suspect. Tout à l'heure, quand j'étais ici, hein, et on se parlait là. Oui. On parlait de la situation de ta femme, tout ça. Et Zenoda, il m'a parlé. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça? Ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi? Non, c'est pour ma femme. Attends, un à un, ça, c'est quoi? C'est pour ma femme, j'ai saisi. Parce que je l'ai pris en otage. Ça là. Comment? Oui. Tu as saisi. C'est une femme, elle est tellement impolie. Ça fait plus de 2 mois que j'ai saisi ça. On y peut pas nous y aller. Quand tu dois aller voir d'eau. Bon, quoi saisi, Bodo. Quoi saisi. Et ça. Hein? Bon, c'est ça là. Bon, c'est nous là. Les deux là. C'est pour ma mère. C'est pour ta mère. Tu as saisi ça aussi. C'est possible, tu sais, ton type là, hein, redresse-toi. Donne-le quoi? Faut cambier le dire. Oui, parce que tout à l'heure il m'a appelé. Il a dit que tu es très mauvais, que tu es un patron très dangereux. Tu es coureur de jupons, tout ce qu'il faut. Tu m'as dit ça tout à l'heure, non? Laisse les trucs. Donne-moi le papa. Attends d'abord. Lui, on ne peut pas le frapper. Ce que vous avez demandé. C'est simple comme loi bois. Simple comme loi bois. Il y a toujours marais derrière vous. À cause d'un serpent, de reine, reine d'amiton, le yotouin. Le noir, quand tu es là, tu as vu tout le temps à Canodo, et ma soumère, et quand il y a et quand il vit d'ahoa, et quand il vit podé. Ouais, tout le temps, il s'arrête, pourquoi ma dormi, attends. Non, Je ne sais pas. Le patron en question que vous dites, patron là, je suis âgé plus que lui. C'est à cause de vous. Et cet secret ne peut pas sortir sans lui. Il doit être là. Vous devez l'amener ici. Moi-même, je vais l'expliquer ça. Ça n'a pas besoin d'acheter des moutons, d'acheter des coqs, d'acheter de rien. Une petite erreur. Erreur grave. Et lui-même va arriver ici, je vais lui dire ça. En flagrant de lui, Nandoni. Nous allons le bétrayer, Nandoni. C'est à cause de moi. C'est à cause de toi. Ne n'ayez pas peur.
vous trouverez la solution. D'accord. Avec moi, avec Faïdeki, vous trouverez la satisfaction. J'ai été une fois, il m'a dit que c'est toi-même qui dois arriver et qu'il va te parler. Il n'a qu'à regarder ton signe, il va dire ce qu'on va faire, c'est tout. Et on si va vous, voir. Si je comprends bien, sans m'avertir, tu as déjà consulté le... Mais le, que veux-tu que je fasse? Je suis ta mère. Je ne veux que ton bien. Maman. Hein? Je ne veux que ton bien. Hein? Il a dit quoi? Le féticien a dit quoi? Il a dit de venir toi-même, qu'il ne veut rien me dire. Que mais c'est toi-même qui dois arriver. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Allons, on oui. ira. Mais il fallait lui raconter ce qui s'est passé. Non, moi je ne peux, on ne peut, si tu veux... Tu vas là-bas, écoute-moi, tu vas là-bas, tu vas lui expliquer que les affaires ne marchent pas. Je n'ai pas de boulot. Toi là, tu n'entends pas. Si on te parle là, tu n'arrives pas à entendre. Maintenant, hein? C'est lui qui va me trouver le travail. Moi, je ne sais pas. On peut aller chez lui. Il travaille dans le ministère du Travail. Non, non, il ne travaille pas. Mais mystiquement, là, il va te faire quelque chose. Il va te faire quelque chose, c'est vrai. Cette fois-ci, si les gens... Si c'était ce qui s'est passé il y a 8 ans de cela, il y a un monsieur qui parle d'envoyer mes poils ou quoi là. Peut-être que je suis donné, mais même soit le fond qui est là, pour m'aider, mais ça, c'est fini. Pauvreté, regarde. Ouais, viens-t'en. Tu vas porter ça là. Oh! C'est grave. Oh, yeah! Parce que tu m'as bien entendu. On ira. Il n'y a pas de problème. On ira. Ma demain. Femme n'est pas encore là. Eh, je crois qu'elle est là. Où est-ce qu'elle est? Yao! Si je suis venue, c'est pour vous dire que ça ne va pas. Comment ça ne va pas? Ça ne va pas. Il est allé là-bas, non? Du tout pas. Mais mon frère, il est allé se retrouver sur les. Les fils électriques de Gabon. Ça veut dire quoi? Il y a quoi? Non, attends, écoutez, il faut avoir un canin. Regarde le haut, fille. C'est très longtemps. Est-ce que c'est bagage? Grand féticheur. Oui. Tu m'avais dit que mon frère devait disparaître. Oui. Et aller se retrouver en France. Oui, c'est ça. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Et pourquoi il n'est plus là? J'ai l'habitude de le faire ça. Non. Ça là, tu as raté. Comment j'ai raté ça? Mais tu n'as pas fait. Et c'est bagage. Et c'est bagage là. Il m'a appelé. Il n'a même pas retrouvé les bagages. Il s'est retrouvé sur le poteau électrique là-bas, au Gabon. Donc, si c'est ça, il a mal utilisé la chose. C'est pas sinon, j'ai l'habitude de faire ça. Et j'ai fait ça, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. J'ai fait ça à plusieurs personnes. Comment se fait-il que si ton frère a mal utilisé la chose? J'ai dit, elle est en nous, elle a faute pour être en France. Mais elle est trop Gabon. C'est pas de ma faute. Elle faut aller. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Si je suis venu, grand féticheur, à Vitima ou Lunoua, et notre Jodé, soit tu me donnes mes fonds, soit ils se retrouvent en France tranquillement. Je suis. Tu connais la dame qui vend du riz dans la troisième vol là-bas? Dans le restaurant qui est derrière ici. Voilà. Oui, oui, oui. Donc c'est elle que je suis allée voir. Oui. Je lui ai proposé de l'aider un peu, et laver la vaisselle, servir les clients, tout ça là. Elle a dit qu'elle accepte, qu'elle va m'accepter. Bon, je l'ai vu à cause de la situation que nous vivons ici. Et là, je vais t'aider un peu. Au moins le soir, je vais ramener les nourritures de là-bas. Le soir sera garanti et je prends 250 francs par jour. Donc elle m'a proposé ça et puis j'ai dit que je vais t'en parler quoi. Sambini. Histoire de t'aider un peu. Oui. Sambini. Oui. Sambini. Oui. Moi, ma femme. Oh, attends, écoute-moi.
Tu parles de la dame qui est derrière ici? Oui, oui, oui. Tu sais que c'est là que tous les politiciens viennent prendre leur déjeuner? Oui. Tu sais ça? Oui, elle trouve beaucoup de clients. Là, ça va marcher. Et là-bas, ils vont commencer par te tâter. Et petit à petit, tu vas partir comme ça. Que Dieu n'ose. C'est ça que tu veux? Non, c'est pour t'aider. Tu comprends? Mais tu me prends pour qui là? 250 fois par jour. C'est pour t'aider. Sans béni, je ne veux plus entendre ça. Il faut, c'est qu'il faut gommer ça. Non, ça dit quelque chose pour moi. Ne te gêne pas. Moi, je ferai tout possible pour faire mes devoirs. Chérie, ne pleure pas. Qu'est-ce que je te dis? On va faire. Non, ne pleure plus. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Le seul enfant unique que tu m'as donné. Je vais le voir souffrir comme ça? Ou bien, c'est une malédiction venue de chez ma mère? Ou de chez mon père? Ou bien c'est Adolphe, mon mari, qui a créé tout ça là avant de partir? Je sais, il a créé ça. C'est pourquoi il est vite parti. Il nous a laissés dans la souffrance. Adolphe, mais tu es parti chez Dieu, non? Tu es devant Dieu, non? On a bien dit que les morts ne sont pas morts. Adolphe, tu es mort. Tu es mort, tu es parti sans trace. Et tu nous as laissés dans ce pétrin. La fois passée, si ce n'était pas à cause des gens, je serais déjà dans l'au-delà. Je viendrais te voir là-bas. Cette fois-ci, j'irai tout au fond de l'eau. J'irai jusqu'au milieu de l'eau. Et si jamais je viens te voir là-bas, tu as des comptes à me rendre. Thank you.
monsieur. Monsieur, lève-toi. Maintenant, je t'ai eu. Ici, est-ce que c'est ton dortoir? Non. Allez, 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 lève-toi. Je suis en train de ramasser. Tu parles. Hein? Tu parles. Tu parles. Allez, lève-toi. Chef. Maintenant, là. Oui. Hein? Mais doucement. Est-ce que c'est toi de toi? Non, bon, c'est... Allez, allez, allez. Viens. Chef. Viens ici. Viens ici. Je veux t'attraper. Chef, doucement. Qui est le chef? Waouh! Impoli! Comment? Pointe. Qui est-ce que tu as ramassé? Allez! Rappuie. Tu vas pas revenir ici. En avant, fille! Et donc, un conseil que j'avais donc, c'est fini. À ce repos, à ce moment-là. Hein? Tout le temps, repos fier. Tout le temps, repos fier. Quand il y a un temps, il y a un temps à venir. Mais quoi, bon? Jusqu'à qui ça? Je suis un peu de famille. À ce raison, nous n'avons pas de bonheur. Salopard. Digo que tu es. Comment? Ah. Oh Dieu! Ah, Seigneur, ne vois-tu pas notre souffrance? On fait tout pour réussir, ça ne marche pas. J'ai fait 18 ans de concubinage avec mon mari. J'ai 39 ans aujourd'hui. Et c'est à cause de l'éléphant que ma maman m'a chassé de la maison. Dieu, mon mari souffre beaucoup. Mon mari doit partout. On va jusqu'à demander à manger, acheter à crédit. Oh, que vais-je faire? Est-ce qu'il faut que je me pende? Que je me suicide. Et si je me suicide, qui va soutenir mon mari? Qui va s'occuper de mes enfants? Et de ma belle-mère qui vit avec nous? Oh Dieu, vais-je quitter mon mari pour ça? Non, non jamais. J'aime mon mari malgré tout. Mon mari aussi m'aime. La souffrance là est trop. Dieu, nous souffrons beaucoup. Et pourtant je prie, nous as-tu oubliés? Hein? N'entends-tu pas nos prières? Ou bien nous ne sommes pas aussi tes enfants? Oh Seigneur! Oh! Vais-je le quitter et aller chercher un autre mari? Non, je ne peux pas faire ça! Ou bien suis-je vilaine? Oh Dieu, entends nos prières! J'ai trouvé la solution. Oui, j'ai trouvé la solution. Je vais te surprendre. Je vais me suicider. Oui, je vais me suicider. Me suicider? Et si je le fais, qui va s'occuper de mes enfants? Oh Dieu! Yvonne? Comment ça, j'ai pas eu? Viens, Djebo. Mets-toi à genoux. Faut pas avoir peur. Ça va? Oui. Tu me connais? Non. Tu ne me connais pas. On m'appelle à Obuba Kanti. Je suis le messager de Dieu. Et des phares. Tu trouveras la satisfaction. C'est moi qui t'ai appelé. Ton maman est venue me voir ici. Et je lui ai dit que ton cas est très pur. Tes bagages sont lourds. Alors que dans la loi, normalement, ça ne doit pas être lourd. Et je dis bien que c'est à cause d'elle. Ton balai là. Elle est la base de tout. C'est pas parce qu'elle est sorcière. Elle n'est pas sorcière. Mais elle est la base de tout ce qui se passe sur toi aujourd'hui. Mon frère, sans te mentir. Normalement, tu dois être un homme riche. Élégance.
très riche. Et c'est un serpent. C'est un serpent qui t'a remis dans cet état. Parce que avant que tu vas être naissancé là, ta maman a fait une promesse à ce serpent. C'est un serpent là qui t'a consommé. C'est ce serpent là qui l'a aidé. Si tu es là aujourd'hui, si tu es un homme aujourd'hui, ça cause ce serpent. Et ta maman l'a oublié. C'est pourquoi le serpent s'est fâché contre toi. Et il s'est mis la main sur tes biens. Mais aujourd'hui, là, tu es guéri. Tu vas devenir riche. Alors, lève-toi. Je dis, lève-toi. Enlève ton chemise. Enlève ça. Je dis bien, enlève ton chemise. Polito et ma quoi? Amawa, amawa, amawa. Polito et ma quoi? Amawa, amawa. Viens ici. Polito et ma quoi? Tu es déjà guéri. Le bon mais, le gosse bref homme, le bien payeur homme. On ne voit nous à quoi de nous. Voilà, nous t'amitons. Et va tiens le bête au dîner vient. Maman sent à une mène à nos belles mères. Dans la vie de le fier. Et ma idée à quoi pour ce n'a mon fils dire, il doit quoi citoyen. Et il faut la voir citoyen. C'est moi-même qui a fait ça avec ma propre fond.
Parce que tu es malheureux. Dans le coup, je ne sais pas si tu es comme moi. Je un problème. Dans le cas de Bessie et Bédier, vous avez fait des choses, vous avez fait des choses. Alors, A mon de Pocati. Là, et nanou me yon, oué, nadou ha me yon, nanme. Mi an nan yon de poi. Dans le blé nan yon de poi. Tu as déjà marié, non? Oui, une femme. J'ai déjà une femme. Le serpent va te donner encore une femme. Encore une autre femme. Et ça fera deux femmes. Ça ne dépassera pas les deux. Mais, il y a un problème. Très, très sincère. Très très, il y a un mail là. Que les deux femmes vont déconner. Même jour. Très très fort. Les deux femmes vont t'offenser. Très fort. Et ça va blesser ton cœur. Les deux femmes là qui vont déconner là. Hein? Qui vont déconner là. Tu as le droit de chasser l'une. D'entre eux, tu n'as pas le droit de laisser de chasser. Tu n'as pas le droit de chasser les deux. Tu vois, tu comprends bien. Tu comprends bien. Là, si tu as fait ça, tu auras ta vie. Sinon, si tu ne respectes pas cet engagement-là, tu vas te retrouver en arrière. Hein, Djaoho ? Tu vas être pauvre plus que maintenant, là. Il suffit. De respecter la loi. C'est ça. Merci beaucoup. Oui. La féticheur. Oui. Je vous remercie beaucoup. Oui. Je voudrais demander quelque chose à Vodunda. Oui. J'accepte tout ce qu'il veut me donner. Oui. Est-ce que le Dan ne peut pas laisser histoire de femme là pour que je reste avec ma femme? Non. Non, il est en train de le faire. Fais-le à toi. Il est hésitant. Il a dit non. Et ben, il a dit jamais. Au lieu qu'il va jamais. Me donner d'autres femmes, de laisser la femme là, je vais rester avec ma femme. Tu n'as pas le droit de lui dire quelque chose. Lui, il est là. Il est là pour te commander. Tu ne peux pas lui commander. Lui, il a déjà dit pour lui. C'est toi qui vas gérer ça. Il a dit. Là, où, tu veux mourir dans la pauvreté? Non. Tu ne fais pas ça. Je veux lui dire ça. Merci beaucoup. Oui. Tu auras les deux femmes. D'accord. L'une, tout à l'heure, tu vas voir. Tu vas dire à Vodun Dan. Oui. Que je vais faire tout ce qu'il veut. Oui. Tout ce qu'il veut, là, je vais lui faire. Oui. Même au niveau des choix qu'il m'a dit. Oui. Que je veux faire les choix et chasser la femme. Oui. Que je veux. Oui. Respectez la loi. Merci beaucoup. Misère sans fin, mon Dieu, est-ce là ta volonté? Tu dis que tu as 300 000. Oui, en fait, bon, c'est ce que j'ai pu économiser. Pour moi, je savais si je venais, j'allais prendre une moto de 280 000. Et non, ça c'est encore. Je ne te conseille même pas de prendre les motos de 280 000. C'est okay. Les flattées. C'est les motos flattées, ça. Okay. Ça ne dure pas. C'est un joli vert. Oui, ça ne dure pas. La moto que tu as choisie, oui. Ça coûte 380 000. Voilà que tu as 300 000. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, tu vas verser les 300 000. Voilà. Il y a pas de problème. Tu es mon petit frère, je dois t'aider. Merci beaucoup. Je dois t'aider. Nana Yao. Oui, patron éléphant. Mais tu as grandi complètement. Hein? Ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais, on va aller là-bas et
Et okay, tu vas faire ton choix. Okay. Hmm? Oui. Je vous laisse ce coffret. Mes hommages, Majesté. Comment vous allez bien? Ça va, chez vous? Ah, nous sommes honorés de votre présence majestueuse dans notre modeste droguerie. Merci. Vous allez bien? Ça va. Vous désirez quelque chose? Paraît-il que c'est le dernier coffret, mais je le veux. Ah, vous voudrez ce coffret? Bien sûr. Enfin, vos c'est désirs, ma préférence. Vos désirs sont des ordres, merci Majesté. Chère madame, oui? Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Ben écoutez, vous faites partie de nos clientes les plus privilégiées. Merci. Vous avez choisi ce coffret? Si. Alors vous avez vraiment de mérite et vous venez d'être encore honoré. Parce que la majesté, sa majesté, oui, madame la reine, a choisi ce coffret. C'est-à-dire qu'elle a le même goût que vous. Non, c'est pas elle qui a choisi, pardon, mais c'est moi qui ai déposé ce coffret ici. S'il vous plaît, un instant, sa majesté, un instant, majesté. C'est moi qui ai pris ce coffret, c'est pas elle. Vous avez pris ce coffret, oui, effectivement, mais écoutez... Nous allons vous demander un service. C'est ouais, juste une concession que allez-y, vous allez monsieur, me faire. Je vous écoute. Il y a un problème? Aucun problème. Mais quoi? C'est-à-dire, cette dame, elle est la plus riche de notre sous-région. Ah, c'est bon, la femme de Éléphant Mouillé, le roi. Vous le connaissez sans doute, Éléphant Mouillé. Éléphant Mouillé. Oui. Éléphant Mouillé. Alors quoi? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Nous voulons juste vous demander, oui, de nous concéder votre coffret. Quoi? Nous alors, allons l'offrir. Bon, vous me demandez de le lui laisser, c'est ça? Exact. Non, je ne suis pas madame, d'accord. Madame, vous pouvez régler la note avec sa majesté. Je vous en prie, ah, madame. Ah bon, hein? Je vous laisse. Et je ne reviendrai plus ici. Je ne reviendrai plus ici. Plaît, qu'est-ce madame que ça veut dire? C'est comme ça que vous traitez les gens? Madame. Sa majesté. Ça y est? Oui, ça y est, madame. Ok. Suivez-moi pour le chef, s'il vous plaît. Ok. Ma chérie, toutes félicitations à merci toi. Merci, ma chérie. Oh, dis donc, je suis très contente pour toi. Vraiment. On remercie Dieu. Hein. On remercie beaucoup Dieu. Oh. Et chez toi, ça va, ça et va. À la maison, ça va. Oui, beaucoup d'auto. Oh, Nato, hein, pour moi. Oh, tout va bien. Alors, tout va bien. Mmh, tout va bien. C'est vrai. Nous sommes tous les deux. 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 N
Nous sommes tous nous sommes tous les c'est comme ça. Alors, continue. Surtout la grande femme là, elle est devenue insupportable. Insupportable. Elle ne se soucie même plus de la peine que son mari a pour avoir l'argent. Elle ne se soucie même plus, elle ne se souvient plus du passé. Et nous, on est aussi, oui. Et là, aux 5 heures du matin, tu vois, il y a eu le ah bon? Et là, il y a eu le néon. Tu entends? Et pour béton, les poids de champagne, au Ghana, au Yobotome, Europe, vite, Amérique. Le téléphone est à Gandhi, Gandhi. Je n'ai pas soigné. S'il vous plaît. Sabeni. Comment? Diminuer le volume. Je parle, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu entends? À moi, tu m'entends? Attends, qui entend de... J'entends des bruits derrière ta chambre. C'est pas des bruits, c'est ma belle-mère. Quoi? Ma sixième, puis tu es sans sixième, mais go sauf vanne. Eh, bah, son bon nom, que tout va bien. Le nom, non, moi, il y a le ami. Hein? Tu sors, je sors. Ah, oh, vite. Tu vois? Il y a des gens qui ont dit que les filles n'ont pas de même. Nous sommes si zendés, nous sommes si zendés. Nous sommes si zendés. On est amis pourquoi alors? On est là pour s'entraider, non? Tu veux seulement 2 millions et tu veux aller passer et avec intérêt. Je préfère. Ah, d'accord. Moi, je vais te passer les 2 millions. Quoi? Moi qui ai plus de 300 millions sur mon compte? Wow! Mais il n'y a pas de problème. Oh, mais dis non! Mais sans intérêt. On est là! Quels 2 millions tu veux passer à ton ami là? Quand toi tu souffrais et que tu demandais de la pâte de porte en porte, de la sauce de porte en porte, acheter du gari sans payer là. Elles étaient heureuses dans le temps. Maintenant, quand Dieu a fait et moi j'ai prié et que Dieu a changé notre situation maintenant, toi tu vas lui passer 2 millions et quand est-ce qu'elle va te rembourser? J'ai dit que je vais lui donner. Je vais lui passer 2 millions, j'ai dit. Je vais lui passer, elle va rembourser quand? C'est mon argent, c'est pas ton problème, mamie. C'est pas ton argent. Non, tu exagères. Mamie, tu exagères. Non. Tu exagères. Tu as commencé par exagérer. Non, je veux plus rien. Non, tu vas. Ça veut dire quoi ça? D'accord. Mamie, fais attention à toi et je te respecte. Si je ne fais pas attention, ça fait ton problème. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas regretter. Ouais, c'est toi qui vas regretter, mamie. Tu vas regretter, c'est ma toi fille. Qui vas regretter. Tu vas laisse-moi regretter. Vivre ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. Mamie, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Non, calmez-vous, mamie, asseyez-vous. C'est quoi le problème? Il n'y a rien. Expliquez-moi un peu. Elle a encore fait quoi? Elle n'a rien fait. Hein? Mais le fait de téléphoner Londres, elle n'aime pas elle. Mais ce n'est pas bon. Ta co-épouse là. Il y a une amie qui était venue ici, grosse. Cette copine là. Cette vieille carcasse, je ne sais pas où elle a trouvé la fille là. Et la fille se perd, elle se permet de venir ici quand elle veut. Il ne faut plus te discuter avec elle. Non, calmer, ça va aller. Non, moi je lui ai dit ça pour qu'il y ait compréhension. Oui, il y aura compréhension. L'argent là, ça ne va pas terminer maintenant. Ça va encore venir, il faut te calmer. Bon, va, vas-y. Merci beaucoup. Va, tout à l'heure. Ok, bisous. Vraiment fatigué. Chérie, je suis là. Mais c'est quoi? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Et mes enfants? Où sont mes enfants? Ah non, papa est à la maison.
Papa. Ça va mieux pour lui. Ça va mieux. Hein. Ça va mieux, oui. Le docteur a dit. Oh, mon garçon, viens. Ça va. Papa. Hmm? Ça va. Bon, je lui ai dit de se reposer, mais il est resté avec prudence. Mm-hmm. Non, ça va. Son corps est un peu froid. Mm. Bon, va te reposer. Hmm? Rentre dans ma chambre et va te reposer. Hmm? Mm. Monsieur, mon garçon. Ça, papa. Mm. Elle est dégagée à son repos. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait à ta maman? Qu'est-ce que je lui ai fait? Hein? Ma copine était arrivée, on était en train de discuter. Ma mère est sortie, je ne sais pas d'où elle est sortie. Elle a commencé par crier devant ma copine. Pourquoi est-ce que moi je la reçois chez moi? Et pourquoi est-ce qu'on est en train de téléphoner alors qu'elle a amené elle-même son portable? Elle a dit que c'est avec mon portable qu'elle a appelé l'extérieur. Elle a commencé par crier. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, je ne lui ai pas donné. Ah, si c'est ça vraiment, je suis fatiguée. Hein. Si c'est ça, il faut lui chercher un autre endroit hein, parce que je suis fatiguée de ça là. Je suis fatiguée. Mettez les micro bada. Oh. On peut m'y aider, m'y vite cité. Nos vite les yo, ne vous ouais. Renoir au titan, d'autres années des tiens ya. Vite cité. L'on a sous nous à quoi vous fiez yo, et non soit mon et non 60 bon il dit dans dieu yo a zan bi die to fi dio barabara de couleur a je bon na fi din bon nous forme na no jenu kun cheji nous ero pe ne dan wa yo e pe din on nous na jaliji e na ja gbangba bo maybe na mon je o mi mo yan e lo a kaka ku ton e ipele sin dano we. Allô, mon chéri. Oh, tu es beau dans ton avis. Ah, mon cœur. Tu es à local aujourd'hui. Hein? Oui. Tu sais, j'ai une réunion tout à l'heure. Et je me. Tu t'as pas pour partir. Oui, comme ça. Mais c'est partir. Beau, hein. C'est vrai. Wallahi. C'est vrai. C'est très beau. Tu as c'est toujours ton tailleur, Riffin. C'est lui qui a cousu ça. Mais je t'ai dit de ne pas le laisser. Mais le gars là, il travaille. Hein? Il travaille. Je te l'ai recommandé. C'est mais, parce que je le connais. Tu es déjà suffié. La dame là. Tu me trouves comment? Avec les forces que tu as effectuées dans cette nuit-là. Oui, maintenant, tu sors? Oui, je sors et puis je vais prendre la Touareg. La voiture là, tu veux encore utiliser ça? Sans béni. Oh mon chéri. Tu sais que la fois passée, tu as cassé les phares. J'ai remplacé. Maintenant, tu veux encore la voiture. Tu sais que la voiture là est trop low plus que toi? Non, je en tout cas, je veux ça, c'est ça que je veux. Bon, c'est pas grave. Oui, je vais faire ça.
Maintenant, tu sors avec la monsieur Lucie. Je t'en prie. Jamais. Ah, je suis sortie avec ça hier. Les amis m'ont déjà vu avec ça hier. Mais c'est pas grave. Non, 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 non. Ah, il faut changer. Je ne sors pas avec ça aujourd'hui. Donc, je sais ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux? C'est pas la maison que tu veux. Oui, c'est ça. Vas-y. C'est ça que je veux. Va prendre ça. Merci beaucoup. Ah, c'est ça. Mais Roumi, pédé, on est là. Mais non, c'est faux. Eh, si, Roumi, alors, ma Dieu, t'as le fait quoi? Oh, ma, tu es super beau. Hein. Fais-moi un peu de café. Je veux du café. Et si tu sors là, faut faire attention en ville. Avec ce que tu as porté là, les filles vont beaucoup te regarder. La jalousie va percer tes yeux. Je te fais le café. Oui, fais-moi le café. Mais où est Romain? Pardon, cherchez-moi. Alia, échelle. Monsieur.
Ça, c'est pour toi, désormais, c'est pour toi. Pour moi? Pour moi? Attends, ça là, c'est pour moi. C'est pour toi! Hello? Oui. Ça? Mon chéri! Tu sais, tu as mérité plus que ça. Hein? C'est tout juste pour tes déplacements. Oh, mon chéri. Oui. Non, non, tu es bon. Ça, c'est la nouvelle voiture. Et c'est écrit quoi? Pour toi, ma chérie, sans béni. Oh là là. Oh, tu vas me faire pleurer. Ah!
Ce que je t'ai toujours dit de faire, attends, voilà, tu ne l'as pas fait. Moi, je l'ai fait maintenant. Elle m'embête. Sambéni. Hein? C'est ma mère que tu es attachée comme ça. Elle m'a frappé. Elle m'a frappé. Tu as frappé blessé. Ma mère. Sambéni. Ablan me tomoro. C'est fini. Je vais pourrir en prison parce que je vais te tuer. Oh, pardon. Je vais te tuer sans bénir. Tiens. Pardon, pardon. Jusqu'à ma mère. Jusqu'à ma mère. Romain, Grâce, Grâce, pardon. Grâce, Oh.
Cet homme a trimé dur. Il a connu le pire, mais puisqu'il existe un temps pour toute chose, la vie lui montre son autre face. Mais vous, vous, à la place de cet homme, quelle réponse trouverez-vous à l'interrogation d'un bonheur conditionné? Quand Dieu accorde un bien, l'accorde-t-il à moitié? Quand c'est le diable qui donne, le donne-t-il sans retenue? Quand Dieu ne vous place pas en face d'un tambour, vous ne pourrez jamais le jouer. Oh, yeah, yeah.